On a Ouria Boutelja, Ouria Boutelja non, qui est... Elle, elle, elle c'est elle... un cas. Bon, Ouria Boutelja, c'est un cas. Euh, elle, elle dit, elle parle des, homo des, des, des homosexuels, elle les appelle des tarlouses. Il y a ça, mais elle dit par exemple que l'antisémitisme s'exuise parce que les juifs refusent de, euh, refuse de mettre fin à leur affiliation avec la blanchitude, ce genre de choses. Elle dit que tous les sionistes... Je suis Mohamed Moïra. Mohamed Merah, c'est ce gars-là qui a tiré sur des. Dans une école juive à Toulouse. Dans une école juive, il a tiré, il a dit Je suis Mohamed Merah. Elle a dit Tous les sionistes devraient être envoyés au goulag mm. des sionistes envoyés dans des camps de concentration. Elle parle des blancs comme les sous-chiens. Les sous-chiens. On va dire des gens de souche, ouais. mais elle joue sur les mots, les souchiens. Mais je reviens sur son homophobie aussi, mm. où elle dit « aucun homme arabe est homosexuel mm. ». Ça, ça n'existe pas. L'homosexualité est comme un signe de décadence des Blancs mm. pour elle. Euh, donc, euh, On ne peut pas être israélien innocemment. Ce genre de propos et, et elle dit aussi, euh, cette dame-là, euh, « Ouria Boutelja », parce qu'elle a écrit euh, des livres, et dans un de ses livres, elle écrit… Que les femmes noires qui se font violer par des hommes noirs euh, ont le devoir de ne pas dénoncer leurs violeurs, leurs agresseurs, pour être solidaire des noirs. Ça, -dire... Ce genre de propos n'a rien à faire au Québec? Ben non, mais c'est complètement ce délirant, à faire tout ce, ce genre de propos a été dénoncé de maintes et maintes fois en France, mais continue à exister par des mouvances déconnues, des, des mouvances d'extrême-gauche qui tentent d'attaquer nos sociétés, nos valeurs communes. Et c'est au Québec. Et... On avait dit au moment où on avait parlé d'Assim et Lakim, il y a plusieurs semaines, ce, ce prêcheur radical islamiste qui appelait euh, à attaquer aussi les Juifs, ce genre de propos qui, qui, pro qui proférait des propos comme les Juifs sont les ennemis de l'islam et ce genre de choses-là. On avait dit que on nous retrouve une tendance où des orateurs radicaux homophobes antisémites sont invités au Canada pour venir prêcher à, une, à leur paroisse, à des convertis, mais aussi pour venir étendre la portée de leur discours. On est dans un exemple parfait de ce genre de mais... procédé, mais dans un cadre intellectuel.